Bonjour, bonsoir à tout le monde et qui branche Chanel YouTube du Glozoa. Nous vraiment contents, rejoignez-nous avec une nouvelle vidéo et bien qui pourra parler de mesures en production. Alors, déjà, je souhaite tout le monde qui n'est pas encore abonné à Chanel, c'est très très important pour nous faire ça et remettre vidéo nous, partager ensemble avec les amis, nos proches, nous, pour plus de monde capable de gagner connaissance dans la production. Alors, mesures en production. Travailler sans méthode, c'est ouvrir votre porte à l'erreur. Arrêtez de produire sans mesure parce que les mêmes causes produisent les mêmes résultats. En production, mesdames et messieurs, c'est quelque chose à éviter. Donc, ou pas gagner à produire, eh bien, pour pas gagner des mesures standards. Et ceci, à chaque fois que vous produit ou pas gagner mesure ou ouvrir porte tout à erreur parce que quel que soit monde et bien qu'a produit faudrait-il que et bien monde ça l'utiliser et bien des mesures même dans la cuisine y a monde qui comme par exemple et a préparé et comme par exemple a préparé un timami duri pendant qu'il va préparer un timami duri et bien qu'il s'en fait ou acheter un timami duri et bien ou acheter yon ren magi ou acheter un pied poireau, des graines l'ail, et puis on prend un petit point sel qui est égal à 2 onces sel, et puis après ça, on utilise 0,75 litres d'eau, comprenez? Donc normalement, et si on fait un timamite, on met des quantités, et puis ça, quand on a besoin de faire deux timamites, trois timamites, faudrait-il que vous multipliez toute matière première. Et bien, qui n'a yon timami duri ça par deux ou trois, mais qui pourrait permettre que, et bien, ou jwenn yon même duri qui gagne même goût, qui gagne même capacité, qui gagne même sel là-dedans, vous comprenez? Qui gagne même quantité d'huile. Donc, une fois que vous faites comme ça, là, bon, même résultat. Mais si toutefois, même épice ça vous utilisez, eh bien, dans un timamite duri, il y a ces mêmes quantités à utiliser dans deux timamites, dans trois timamites, ou risquez un duri qui crie, ou risquez un duri eh bien, qui manque de graisse, ou risquez un duri eh bien, qui manque eh bien, de bon goût magi. Donc, c'est-à-dire, et c'est ça nos besoins qu'on connaît, faut que nous pratiquions correctement recette yo qui va permettre que eh bien nous joignons même résultat lorsqu'on a produit c'est-à-dire si on a produit comme par exemple savon lavé ou dis-moi savon liquide pas doit produire savon lavé ou t'es utilisé eh bien 4 onces soude caustique pour 8 onces corps gras donc normalement à chaque fois utiliser même quantité l'huile ça même quantité soude caustique ça moi garantis savon ça toujours même gens OK. Donc, une fois que vous modifiez quantité de soude pour mettre, vous mettez plus, vous mettez moins, et bien, c'est l'autre résultat que vous allez jouer. Donc, les mêmes causes produisent toujours les mêmes résultats. Voilà. Et en pile monde, toujours à demander non, et il va connaître comment pour yo varier les recettes. C'est-à-dire, si vous avez préparé un savon liquide qu'on mesure pour un gallon, et il y a une difficulté pour jouer une mesure pour des gallons. Donc, c'est vraiment très facile pour connaître comment pour capable, eh bien, si vous avez un gallon liquide pour faire 2, pour faire 3, pour faire 6, pour faire 10, c'est très très facile. D'abord, il faut avoir la capacité d'identifier la matière de base. OK? Donc, il ne faut pas confondre les matières premières avec la matière de base. Ça fait, les nouvelles matières premières, c'est toutes éléments qui contribuent dans le produit qu'on va faire. Mais dès qu'on parle matière de base, nous avons ces éléments qui sont capables d'identifier tel type de produit, ces produits alliés, ces matières de base là. Ça fait surtout comme par exemple dans détergent liquide, mais nous avons une matière première, c'est tout ça qui est composé comme par exemple hexapone, comme pellant, pasta, acide citrique, foie gras, colorant, tout ça, c'est matière première. Oui. Mais là, on parle des matières de base, c'est ça qui peut fort identifier son liquide. Nous, par exemple, exactement.
Li-même, c'est matière de base. Sans Texapo, nous ne sommes pas capables de faire liquide. Ouais, matière de base, sans li-même, nous ne pouvons pas faire aucun produit. Si nous ne prenons par exemple crème pour peau, matière de base, c'est alcool éthylique. Nous avons parlé dans une vidéo qui est très spéciale, et bien, qui parlait de matière de base. Donc, pour nous capables de comprendre ça plus bien. Donc, normalement, et ça que nous besoin qu'on est, et matière de base là, c'est élément identifiable dans le produit. Donc, on voit que tout le monde a fini par comprendre ça. Donc, nous allons entrer directement et dans le titre vidéo qui c'est mesures en production. Donc, normalement, nous avons remarqué là, nous avons des récipients là. Ça aussi des mesures qui oui. Ok? Donc, ça que nous besoin qu'on est, dans la mesure, oui, la chose qui est entre mesure. Donc, pour les gens qui ont pile de difficulté, eh bien, dans la mesure, mais ça ne va pas le besoin. Lorsque nous avons un petit bouchon comme ça, il est égal avec yo 11. Nous pouvons voir ça bien rapide, bien vite. Il est égal avec, lorsque nous avons 4 petits bouchons, ça est égal avec yo 11. Ouais. Ça, c'est 4 11 petits bouchons et petits bouchons, ça, il mesure. Il mesure 4 11. Mais, là, je prends ça là, 2. Et 3. Quatre. Ok? Et là, nous allons l'identifier là. Voilà. Nous allons là. Il est exactement égal à 11. Si vous mettez 8 là-dedans, la bas moins 2 onces. Si vous mettez 12 là-dedans, la bas moins 3 onces. Si vous mettez 16 là-dedans, la finit par arriver là, dans l'entraînement qui c'est 4 onces. Donc, normalement, et pour moun ki gen du mal ki pral di mon cher et di clozo, m pa ka yon récipient ça. Ça son bratlet li. Normalement, bratlet ça, l'on mette liquide là-dedans, li égal à 6 onces et demi. Mais cependant, l'on mette quoi ki solide là-dedans, ou plein le fait tête, et bien li égal exactement avec 8 onces, c'est-à-dire 2 fois ça. Mais c'est lorsque l'on mette, et bien quoi solide, tant que pour farine, on dit riz, on sucre. Ou mesurer dans ça, il est égal à 8 onces, l'on plein le fait tête. Mais lorsque vous pas plein le fait tête, il est égal à 6,5 onces. Nous parlons de ça ensemble avec du clouzo. Ça, c'est 4 onces les mesures. Voilà. L'aime vide ça dans ça. Ouais, 4 onces. Voilà. Et normalement, je vais mettre 1 once et demi. Voilà. 1 once et demi. Voilà, ça c'est un 11 et demi. Et j'ai 4 onces là, un 11 et demi. J'ai dit 6, 6 onces de 4 et demi onces. Ça fait 5 onces. 5 onces à un bouchon. Voilà. Nous allons mettre demi once là. Ça va être 5 once et demi. Six onces. Six onces et demi. C'est-à-dire chaque fois que je gagne des petits bouchons. Il égale à demi once. Mais l'aime gagne 4 petits bouchons, il égale exactement à 1 once. Faut que nous capter ça. Mais l'aime gagne 4 ça, ça l'aile plein, il égale à 4 once. Mesure toujours arrivé dans l'entraînement là. D'accord? Donc, normalement, l'aime gagne 4 fois 4, l'aime gagne 16 petits bouchons, ça l'a égale à, eh bien, à 4 onces. Ça. C'est ça que nous devons maîtriser pour nous capables de produire. Si bouteille, ça lui-même, il mesure 2 onces. Ok? Elle n'entraîne, ça ne va pas nous dépasser l'entraînement. D'accord? 2 onces depuis en l'air. Descendre depuis en bas, monter, c'est 2 onces. Ok? Donc, c'est pour nous maîtriser ça. Yo. Et l'autre bagaille, nous besoin qu'on ait encore, relation qui a très mesure. Donc, lorsque nous gagnons une once, l'égal à 4 petits bouchons. Ok? Petits bouchons J. Yo. Mais lorsque nous gagnons 4 petits bouchons J, ça égale à une once, l'égal à 30 millilitres. L'aime de 30 millilitres, si nous gagnons un petit mesure avec moi, on a pris le marqué là, 30 millilitres. D'accord? 30 millilitres. Ou dimension 11, ok? Lorsque nous gagnons 16 onces, l'égal à
480 millilitres. 16 onces égale à 480 millilitres. Mais, il y a une mesure qui dit, et une once égale à 31,25 millilitres. Là, ça, le 16 onces, il y a 500 millilitres, tant qu'on bidon J, que nous avons banqué, qui marque 500 millilitres. Donc, il n'y a pas trop dérangé. Mais, standard, c'est 480 millilitres, et bien, pour 16 onces. Là, nous avons une once égale à 30 millilitres. Je tiens à ce que tout le monde bien maîtrise et bien mesure ça qui me partage ensemble avec nous. Lorsque nous avons un gallon, dans un gallon, nous avons 128 onces là-dedans. Un gallon, nous avons 128 onces. 128 onces, ça, c'est égal à 3,78 litres. 128 onces, ça, c'est égal à 3,78 litres. Et 3,78 litres, ça, égal à 3840 millilitres. 3840 millilitres dans un gallon comme mesure. Donc, lorsque nous prenons 5 gallons, il est égal à 18,9 litres. Mais lorsque nous prenons même 5 gallons, ça est égal à 19200 millilitres. Même 5 gallons, ça est égal à 19200 millilitres. Là, nous prenons par exemple une boîtelette. Boîtelette, ça, qui nous a mesuré là. Si c'est farine, nous mettez là-dedans sucre, sel. Ok, li, mwen plein le fait tête, la pégale à 8 onces. Mais lorsque son liquide, mwen mette la dan, la pégale à 6,5 onces. Ok? Donc, lorsque mwen plein le fait tête, la pégale à 8 onces. Mwen tiens à ce que tout le monde bien maîtrise et bien formule ça qui me partage ensemble avec nous. La yon 5 gallons yon égale à 18,9 litres et égale à 19200 millilitres. Ok? La mwen boîte tête égale à 6,5 onces liquide et 8 onces. Solide, c'est-à-dire sel, sucre, farine, du riz, etc. Donc, moi, je sais que cette vidéo est vraiment utile pour nous avoir une idée minimale et bien de mesure dans la production. Parce que quel que soit le monde qui a produit, si que ou pas maîtriser et bien ça qui est les mesures, vous mettez un petit camping pour qu'on produit. Donc, vous avez besoin bien maîtriser mes yeux donc pour capable permettre tout et bien capable produire efficacement. Mes amis, pas négliger et m'pouvez dans la prochaine vidéo n'a pas chance pour nous connaître comment vous nous préparer savon et toilette. Donc ça yo c'est boîte savonnier qui me mettez disponible pour nous, boîte savonnier Steve le réaliste. Ça c'est le technicien moi, c'est lui même qui caméraman moi aussi. Et donc n'a pas remarqué là aussi et ça c'est boîte savonnier Diclozo. Donc, ça, c'est un savon qui est fait à base de fraises, mais savon par Steve le réaliste. Donc, il est fait à base de citron, d'accord? Si nous avons besoin d'une bonne boîte savonnier, nous mettons les Diclozo. Et bien, Diclozo a fait nous une boîte savonnier. Si nous avons besoin aussi de savon et pas caisse, nous avons toujours les Diclozo. La fait nous gagner savon, toilette, sans problème. Si nous avons besoin de savon laver tout, nous avons toujours les Diclozo, d'accord? Et donc, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est Diclozo pour mettre douleur. Donc, son pommade qui est vraiment puissant sur tout le monde qui a inflammation, moun qui a fièvre, moun qui a crampe, moun qui a gros douleur. Donc, Diclozo pour mettre douleur, très très bon, la aide nous combattre douleur. Donc, nous avons deux dimensions. Alors, ce n'est pas qu'est-ce que nous avons. Et comme ça, tout acheter un petit boîte tout. Et donc, sans problème. Donc, son gros médicament qui est ici en pile, qui est des moun à l'étranger en pile aussi. Donc, son gros médicament nous acheter li pour nous revendre sans problème. Donc, Diclozo pour un paquet de bagages pour nous. Et tant que moun ki ta reme gagner et un bon casque bluetooth et donc sou besoin un bon casque bluetooth donc c'est fait choix de produit Diclozo, c'est vraiment intéressant, d'accord? Si nous besoin un bon casque bluetooth et ça son casque bluetooth E10 et donc si nous ta reme gagner là-dedans et donc Diclozo et Vanio en gros comme en détail. Donc si nous ta besoin pour nous revendre et pas négliger le Diclozo et nous ka remarquer là ou gagner plusieurs oreilles ou des oreilles de réserve. Et donc, c'est vraiment intéressant, mettez petit casou, et bien, dans les oreilles, sans problème pour tendre la musique, parce que nous sommes, et bien, dans une technologie qui est vraiment avancée. Donc, nous conseillons pour nous utiliser le produit, ça, c'est vraiment intéressant. Et si vous avez un problème blackout, nous avons toujours demandé Diclozo et acheter et bako, et charge, ça, aussi pas nos soleils, pour les gens qui ont besoin de téléphone, vous avez un problème blackout, vous avez toujours. Eh bien, contactez Diclozo dans 37 91 86 24. 37 91 86 24. 35 et 31 48 34 33 14 51 32. Ça, c'est pour lumière. Si vous avez besoin
lumière, mes amis. Donc, avec ça, yo, pas de blackout pour ces courants 12 sur 24. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous contacter Diclozo. Et bien, pour j'en ai produit ça, si nous besoin de casque Bluetooth qui gonselle, et si nous besoin de casque Bluetooth qui gonselle les oreilles, et pas négliger mon Diclozo casque Bluetooth pour gonselle les oreilles. Yo. Donc, rechargeable toujours. Donc, mais, et ça qui gagne des oreilles là, lui-même, lui, et à tout backup, ça c'est backup là. Et donc, ça c'est les oreilles. D'accord? Ou dès qu'il mettait le chargé, ou chargé backup. Donc, capable de faire plusieurs jours après des musiques. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, si nous besoin de produits, c'est pas négligé. Et demander 10 clous de produits, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et tant de produits que nous avons besoin. Et même si nous n'avons vraiment pas montré nous là, qui c'est des produits. Les plats sont très bons backup. Et son backup qui est capable de faire une semaine. Et donc, cap chargé téléphone, quel que soit téléphone, nous avons dans mon là. Et donc, les gars qui ont bouli, d'accord, nous avons pour tout type de téléphone là, d'accord, même iPhone, pas besoin de quitter les gars qui parlent. Donc, son backup qui est vraiment intéressant, les gars marquent en pourcentage, donc c'est-à-dire les marquent en pourcentage, et bien, tant qu'on prend charge, les marquent, donc c'est vraiment intéressant. Après là, c'est 100% charge, les gars sur les là. Donc, ça avec 10 clous, on n'a pas de problème charge. Donc, on n'a pas de monde, pas de après l'eau pour charger, on n'a pas besoin d'un bon backup comme ça. Donc, il n'y a pas de charge du tout, et nous vendons pas trois. Et si vous avez besoin par douzaine, ou besoin unité tout, c'est contacter Diclozo, nous faire livraison tout partout dans le pays. Merci. Et tout le monde qui t'a suivi cette vidéo, ça me croit vraiment utile. Et fait abonner ensemble avec nous, ou même qui peut abonner avec nous. Et partager vidéo nous, pour plus monde capable de c'est une façon ou capable aider Diclozo parce que son formation nous fait totalement gratuit qui va aider nous et bien avancer dans la production. Merci tout le monde. J'espère que nous allons pratiquer vidéo ça qui parle de résultats en production, qui parle de mesures en production. Donc, pas de personne monde qui va réussir dans la production et bien sans y pas adapter avec des mesures. Merci en pile et portez-nous bien. J'espère que dans la prochaine vidéo, nous parlons de recette. Comment pour nous préparer savon toilette, nous, sans problème avec Diclozo. Merci tout le monde. À la prochaine.